Nous sommes aujourd'hui mardi 17 septembre 2024. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à ce rendez-vous. Selon le calendrier des faisans, la journée d'aujourd'hui est défavorable pour toute action spirituelle mais favorable sur le plan matériel et physique. Le psaume du jour est le 88 et la sourate du jour est le 90. Aujourd'hui est un jour de chance pour nos amis Bélier et Scorpion. Les couleurs du jour sont le rouge et le noir. À présent, nous passons à la présentation de la une pour commencer par le quotidien, le focus qui met en grand titre ce matin. Déjà, le focus met en grand titre à gauche des jeunes d'Avrancourt. Rebelote pour Serge Issa Missikpode. Et c'est un titre à retrouver. Au grand titre du quotidien, le focus, un autre titre avec ce quotidien qui dit « Dans les méandres de la cybercriminalité, Oseni Yaya sort bientôt. Kenesi sous la rançon du sang. » Et c'est un titre que nous laisse ce quotidien dans ses pages. Nous sommes maintenant avec le quotidien du Coin Info qui met en grand titre « En apportant son soutien » à son frère Justin à Tinkpasso, le conseiller Olviga Avomakpe se montre fidèle à la dynamique jeune pour jeune. Et c'est un titre que nous laisse du Coin Info ce matin à sa page 4. Un autre titre avec ce quotidien qui dit quoi déjà? Enseignement supérieur au Bénin, trois structures chargées de la recherche et de l'innovation dissoutes. Voilà, nous sommes maintenant avec le quotidien. La Nation qui met en grand titre à sa page 3 ce beau matin. Bilan, fonction publique, des acquis qui satisfont agents et usagers. Et c'est un titre que nous laisse ce quotidien. À sa manchette, un autre titre avec La Nation qui dit « Rentrée scolaire 2024-2025, les écoles réouvertes avec des fortunes diverses ». Décryptage info met en grand titre ce matin « Projet d'immigration, 56 millions d'euros perdus en 2023 par les Africains en quête de visa Schengen ». Et c'est un titre à retrouver à la page 3 du quotidien Décryptage Info. Un autre titre avec ce quotidien qui dit « Soutien à l'excellence scolaire à Cotonou, Luc Atropo récompense les meilleurs élèves du collège à sa foi les élites ». Nous sommes maintenant avec le matinal qui dit « Terrorisme au Nigeria et à Karimama ». Trois Béninois enlevés, deux policiers fusillés. Un titre que nous laisse le quotidien, le matinal à la page 3 ce matin. Un autre titre avec ce quotidien qui dit « Année scolaire et universitaire 2024-2025, lancement national de la rentrée à Save ». Et c'est un titre que nous laisse le matinal à la page 4 ce matin. « Matin libre à prison ». Mais en grand titre, sauvetage difficile du code électoral, les soldats de talon pour imposer la relecture. Un titre que nous laisse Matin Libre en manchette ce matin à la page 3. Un autre titre avec ce quotidien, rentrée scolaire 2024-2025, Malanville et Karimaman doivent encore attendre. La boussole à présent. Titre en manchette, célébration de Maulud 2024 à Parakou, en présence de Gbadamassi, l'imam Wakalia a prié pour Talon, pour la paix et pour le Bénin. C'est un titre à retrouver à la page 3 de ce quotidien. Un autre titre avec ce quotidien qui dit quoi déjà? Donc, qui dit plutôt sous le leadership de ABT, Adambi et Chabi Zimé du Bloc républicain, Tajoudine Imoru offre 600 kits scolaires aux enfants de Parakou. Nous sommes maintenant avec le quotidien, le meilleur qui titre en manchette. Démarrage de la rentrée scolaire 2024-2025. Forte mobilisation des enseignants et apprenants dans l'Atlantique et le Mono. Timide démarrage à Parakou. Un autre titre avec le quotidien, le meilleur qui dit... Vote à l'unanimité du budget de l'Assemblée nationale exercice 2023. Avalanche de félicitations pour le premier questeur, Labiou Amadou Djibril et son équipe. Renoubo à présent, titre en manchette. Prix de l'excellence à Kilibo,
Adjougou, Olata, Moukaïla, Amadou. Le généreux donateur sème la joie dans le cœur des enfants. Toujours Ronoubo qui dit « Récurrent attaque terroriste dans la région de Karimama, de vive consternation s'empare des populations du Nord Bénin. » Notre titre, plutôt, nous sommes avec Le Quotidien, l'emblème du jour qui dit « Présidentielle de 2026 au Bénin, les cartes de talons dans le plateau. » Et c'est un titre à lire à la page 3 du Quotidien, l'emblème du jour. Notre titre avec l'emblème du jour qui dit « Poursuite de la désignation des membres du CES, Blavo nous invite les députés lundi prochain. » C'est un titre à lire à la page 2 du Quotidien, l'emblème du jour, l'affiche du jour à présent qui dit « Choix d'un dauphin pour la présidentielle de 2026, Talon échappera-t-il à une guerre de succession au sein de sa majorité ?» Et c'est bien sûr une interrogation que nous titre ce machette. Ce quotidien plutôt à sa manchette. Un autre titre avec ce quotidien qui dit « Concours international génie en herbe OADA. Le Bénin sacré champion pour la deuxième consécutive. » Nous sommes maintenant avec le quotidien Le Chasseur Info qui dit « Démarrage de la rentrée scolaire avec la cantine scolaire hier. Le PAM constate le premier repas servi aux écoliers depuis Tovi Klein. » Et c'est un titre à lire à la page 3 du quotidien Le Chasseur Info. Un autre titre avec ce quotidien qui dit « Célébration des 5 ans de la centrale de Maria Gleta 2. La SBPE incite des bacheliers aux filières de l'énergie. » Le grand regard pour finir avec vous, chers amis téléspectateurs, ce matin. Le grand regard titre en manchette dont... dans le mobilier, d'infrastructures et de kits scolaires, Bonnie Richard Ourou fait rayonner des établissements dans la Donga. Et nous sommes toujours avec ce quotidien qui dit année scolaire 2024-2025, timide reprise dans les écoles de Parakou. Et c'est une observation que nous laisse ce matin Le Quotidien, Le Grand Regard. Ainsi, nous refermons ce rendez-vous plutôt, chers amis téléspectateurs. Nous allons nous retrouver demain. Nous avons passé une excellente journée.